Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Pokémon Origins. J'espère que cet épisode vous plaira. Dans cet épisode, nous partons à la recherche de Harrison. Et nous allons continuer donc notre entraînement. À la suite. Oula, ça lag. Oh là. C'est horrible quand ce jeu lag. C'est long. Va marcher et tout. Bon, j'espère que cet épisode vous plaira, n'empêche, disons moi. Car je prends plaisir à le filmer pour vous. Déjà épisode 6. Déjà 3 épisodes postés sur la chaîne. J'espère que vous aimez au moins aussi autant cet épisode que moi j'aime ces épisodes. Et voilà. Oh les lads, c'est horrible. Bon, partons à la recherche de Harrison. Même si nous avons un petit peu le nom, je crois qu'il est encore dans la grotte. Je sais qu'il doit être, je pense qu'il doit être pas dans la première grotte du nord, vu qu'il nous parlait du nord au début, si je me souviens bien. Pas la première, la première ça serait stupide. Car il n'y a rien, quoi, il n'y a rien du tout, donc je pense qu'il faut déjà passer par là. Quand il n'y a pas de Pokémon sauvage, bien entendu. Allez. Topitcher, Bulbobule, on fuit. Allons-y, allons-y. Notre promenons dans les bras. Encore un Pokémon. Le problème des Pokémon, c'est qu'il y en a trois. On devrait avoir 10 Pokémon par zone, ça serait magnifique. Et pas un Pokémon tous les 3 pas et demi. Et je me suis pas acheté de repousse. Je crois que pour après, je m'achèterai quand même quelques petits repousses. Enfin, j'ai tout bien. Bonjour à tous pour le Pokémon Origins, épisode 6, deuxième partie. J'ai eu de nombreux problèmes d'enregistrement ce matin. Donc, je n'ai pas pu enregistrer totalement l'épisode. Donc là, nous avons trouvé Harrison et tout. On avait déjà fait cette zone. Et nous devons continuer à avancer. Oh, c'est quoi ici? Hop là. Un muscle plus. Ah, mince. Donc, je tournerai les épisodes, donc un épisode par jour. L'épisode 4 va apparaître dans une heure, vers 18h, quoi, en fait. 18h, 18, ouais, une heure et demie. J'ai essayé de le faire apparaître pour 18h15. Et j'espère qu'il vous plaira. Je t'avais fait ou pas? Ah non, je t'avais pas affronté. Je viens de m'entraîner ici pour devenir super fort et défendre ma famille. Et voilà, c'est noble de ta part. Hein. Allons-y. Pour t'affronter. Un diamant contre Poichijon. Et toujours un Pokémon fort contre moi. Toujours, toujours, toujours. Et pas envoyé. Petit lag. Allez, oh, il fait un switch. Oh ben, tant pis. Tu vas quand même avoir mal, toi. Écrasement. Mais oui, ça fait mal. Rhinotorn, gagne un peu d'XP. Poichijon, c'est ça ou Poncho? On va envoyer au singe. C'est bien Poncho. Donc, Pokémon, le soleil et lune. Il m'énerve, sœur et sœur. Il m'énerve. Ouais, bah tiens, prends la peine. Féro singe fait le boulot. Ouais, bah. Féro singe, à toi de faire le boulot. Hein. Je te l'ai confié. Ça le fait. Je te fais confiance. Voilà. Et de toi, tes oiseaux, ils m'énervent. Allez, on allons-y pour les affronter. Donc cet épisode, je ne te laisserai pas la durée avec les noms copettes qu'il y a eu. Et il utilise une potion, bien entendu. Ce Resseur est fort à son jeu. Bon, bah, on va switcher. Il switch, on switch, hein. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite de l'aventure. Il passe mon attaque.
écrasement. Ça te fera mal normalement, cette mec KO. T'es qu'un poids si bon, voilà. Hâte d'être à la suite de l'aventure. Hein. Déjà épisode 6. Ton chiot. Ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous pour ce let's play. Déjà le 6ème épisode. Je ne sais pas ce qui nous attend. Je ne sais pas combien d'épisodes nous allons faire. Ça se trouve, on va en faire une bonne quarantaine, centaine même. Bon. Centaine, là, ça sera plus dur pour moi pour filmer. Après, j'ai école. J'espère que vous comprendrez. Vu que là, j'ai déjà 6 épisodes. Et autant vous dire que la rentrée pour moi, c'est le 2 septembre. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le 2 septembre pour moi la rentrée. Donc voilà quoi. Hâte de faire ma dernière année quoi, et vous fournir du contenu aussi. Oui, l'école c'est quand même utile, hein, faut l'admettre. Surtout avec la conjoncture actuelle. Oh, j'ai envie de switcher. Allez, balayage. Tu fais plus rien toi, t'es mort. Allez, mort. Aïe. Il me fait mal. Allez, riff. Et voilà. J'espère que voilà. Bon, 500 petits dollars, tu ne me rapportes rien. Non, c'est bon. Allons-y, promenons-nous dans les bois. Promenons-nous dans les bois. Est-ce qu'il y a un objet ici? Non, il n'y a pas d'objet. Oh, il y a un dresseur. C'est un dresseur, ça. Ouais. Bonjour, monsieur. C'est trop magnifique. Eh ben, allons-y pour un tombeau avec vous, monsieur. Je savais pas que vous étiez un dresseur. Vous êtes un culturiste? Ah non, c'est un peintre. J'aurais dû dire un mec paysager. Oh! Medina Shiny. Oh mon dieu, un poncho shiny. Un Medina Shiny. Surprenant. Je m'attendais à un Medina normal, hein, wow. Et il est fort en plus, celui-là. Mon poudre toxique. Ah, il rate. Jet de sable. Ouais, là, ça va pas m'aider. Bon, vous savez quoi? Poudre dodo, ça réussit. On sort. Quoi, il est déjà arrivé? Putain. Oh, c'est la fin de... J'espère qu'on pourra soigner. On ira soigner un petit tout nos Pokémon avant. On va envoyer Triticole. En tout cas, surprenant, un shiny dans cet épisode. J'aurais préféré le capturer, hein, personnellement. Un shiny, moi, j'aurais vraiment préféré le capturer, mais... On peut au moins vous envoyer, hein. Après, je ne sais pas si c'est normal ou pas, hein. Ça se trouve, c'est normal, hein. C'est le shiny que tout le monde doit rencontrer une fois dans sa vie. Point karaté. Oui, je veux bien l'apprendre. Gros yeux, drip. Envoyer de gros yeux, hein. Point de karaté. La bille ne fait pas le moine, ouais. C'est dommage, mais je me concentre en disant que j'arrive. Oh oui, ça c'est vrai que c'est rare. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais... Recherche dans la forêt d'ébène. On va déjà aller soigner une Pokémon, déjà. Mince. Excusez-moi si vous avez vu ma souris. Mon curseur de souris. Pas chijon, je m'en fous. Tu serais shiny, je t'aurais pris. Mais bon. Bon. Pas chijon. C'est pas que je t'aime pas, mais... On va fuir. On va soigner une Pokémon. Allons-y, on va soigner nos Pokémon. Bon, je sais qu'on n'aura pas fait beaucoup. Et après, on va se mettre, on va aller rentrer dans cette forêt. Ou dans ce labyrinthe, hein, j'en sais rien. Et quête, attendez, mince. Quête.
Peut-être en tour. Dans la forêt d'ébène. Ouais, c'est une forêt donc. Faut parler à la fillette et on gagne 4000 potes de dollars à nous faire ça. Ouais, bon. Vu la noble truc qu'il a à nous offrir, ça vaut le coup. Et j'ai bug, excusez-moi. Donc, l'épisode 4 sera de sortie aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça ne vous dérangera pas. Hein. Je prends beaucoup d'épisodes. De vidéo d'avance. Oui, et oui, c'est important. Parce que au cas où il y a un imprévu, comme ça que je puisse vous fournir la qualité et la quantité. Ah, soignons-nous. Soignons-nous dans les bois. Pour que le monde devienne bois. Dalandan. Oui, c'est bon. Dépêche-toi de soigner, s'il te plaît. Merci, infirmière. Ah, mais je voulais pas un mot bizarre, moi. Et il veut s'améliorer. Eh ben, dans cette forêt, je pense pas que ça sera bon, hein. Mais bon. Pourquoi pas? Allons-y. En fait, j'ai un deuxième chemin. Ah ben, allons voir. Comme ça, je vous fournis un peu de qualité dans mon... Wow. Attendez, regardez comment on saute. Wow. Là, c'est un entraînement pour les Jeux Olympiques, je pense. Le mec, il s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Hein. Un peu de jet. Eh oui. Voilà, oui. Oui, on a un peu de jet. Le gros rocher avec la mousse verte, je pense, bah, je sais pas, mais ça me fait penser au pire évolutif de pour Evoli. Bulbobul, là. On va évoluer Bulbobul. Ça, c'est un devil. Je note. Bon. Ouais, bon. Bon. Oui, bon, c'est quand même mon niveau plus bizarre. 25 sur 100. Ouais. J'ai un tour de manette. C'est déjà pas mal hein, un quart. Je note. Oh, c'est un problème de son. Ça me fait toujours penser à un problème de son, mais bon. Allons-y maintenant à la forêt d'ébène. C'est bientôt la fin de l'épisode. Hop là. Donc ce qu'on devra retenir de cet épisode, c'est on a passé l'histoire du mélo, enfin. On est sorti de la grotte. Nous avons maintenant, après la grotte, la forêt. Super. Super, super, super. Yutaïdi, yutaïda. Comme je dis souvent. Et allons-y donc à la forêt des... Forêt des Bdemben. Harrison, il n'est peut-être... Ah, c'est... Ah, Matt, tu tombes bien. Je suis tombé sur un insecte tout à l'heure, un petit entraîneur. J'essaie d'attraper tout à l'heure, mais très rapide, arrête pas de fuir.
Ok, d'accord. Bon, on va trouver un beau petit coin. Allez, ici ça me semble bien. Et bon, c'est merci pour avoir de toute l'attention pour cet épisode 6. Je vous souhaite à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir tout le monde.